Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de blague, du coup, donc l'avant-dernière mission. Du coup, et après, la prochaine, normal, c'est la fin, du coup. Donc, on va aller sur le pont de Grasnay, du coup. Donc, comme d'habitude, c'est toujours en Black Ops, donc en difficulté extrême, du coup, où je vais devoir m'amuser à faire tous les objectifs secondaires, du coup. Voilà. Ok, honnêtement, moi. 16. On a perdu de bons soldats. Des compagnons de longue date, pas vrai? Ouais. Votre équipe a été rappelée après cette mission. McCarver vous a convaincu du contraire? Oui. Vous n'aviez rien à voir là-dedans. Si. Enfin, non, arrêtez de m'embrouiller. Alors, vous êtes mouillé? On était tous d'accord pour éliminer Lennox. Le sergent Solomon désapprouvait. Il n'a pas cherché à nous convaincre. Lennox devait être arrêté. Il a tué mes amis. Alors, quel était votre plan? Buter tout le monde. Du coup, parce que là, c'est littéralement de la vengeance. C'est une vendetta, excusez-moi. Y a pas d'autre mot. 18h en tête. Ok. Et là. Je vais mourir. Je fais n'importe quoi. Merci, messieurs. C'est sympa d'avoir participé. Voilà. Non, c'est pas réglé. On expose bien toutes les voitures. Ok, ça m'en fait 6 sur 8. Donc apparemment, je suis dans l'écoute. Ok. Donc, je vais quand même faire un petit tour pour voir si je peux récupérer de consonner. Je laisse mes camarades s'en occuper, ils sont deux. Et ils sont immortels surtout. Donc c'est avantageux. Ils faisaient mal leur boulot. Ok. Alors est-ce que j'oublie quelque chose? Oh, il y a normalement rien.
Oui, normalement, c'est juste après. Donc, ici, il y a juste les voitures à exploser. Bon, je suis à fond. Okay. Enfin, je suis à fond de santé. C'est bien. Pourquoi se casser le cul? Hein? Me direz-vous. Autant venir au plus simple. Ça va, pour évaluer les distances, je m'en sers plutôt pas mal. Au fond de la mission plutôt. Alors normalement si je me bourre pas ici, on devrait pouvoir trouver une arme intéressante. Donc l'arme cachée du niveau. Yes. Lance-roquette. Toujours utile. Alors généralement quand je viens de l'autre côté, les mecs apparaissent, un là avec un fusil à pompe et un autre qui vient se mettre là où il y a le lance-roquette. Du coup, mais comme je suis venu par là, bah, il n'y a personne. Tout simplement. Comme faire un petit tour en bas, voir s'il y a des gens. Bah autant tuer le maximum de personnes. Hein. Et je m'assure de rien oublier, en bas j'ai rien normalement. Faut que je m'assure quand même de ne rien louper. Sinon après ça me forcerait à recommencer. Chose que j'aime pas. Parce que ça m'énerve. Tout simplement. Oh, fatigue, fatigue, continue, tiens, on n'a pas vraiment rien. Donc on va continuer. Faire le plein de santé en même temps, si possible. Si j'en trouve. Où est-ce qu'ils ont laissé de la santé, ces connards? Pas là, en tout cas. Toi, tu m'as rien dit ça, moi j'ai déjà dû le prendre. Il y a celui-là. On se calme. Ouais, explose ta gueule aussi. C'est bien, vas-y, meurs. T'as que ça à faire, mourir. T'as que ça à faire. Donc on a récupéré la première preuve ici.
va les avoir de l'autre côté. Parce que là, les mecs sont en train de péter une durite. Non, salut. Ah, c'est bon. Super. 40 de raisin, ils m'ont rien laissé. Alors, la suite. Restez ensemble, surveillez les croisements. Problème 16. Mais quelle quiche! Ça apprendra à vouloir. On a joué professionnel, je vais faire la preuve. Bonjour. Voilà, donc on a un chantage ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien. On monte. Et là, on va jouer sur l'effet de surprise. Enfin, si j'y arrive. Doucement, doucement. J'espère que l'eau est bonne. Je crois que c'était dans un Call of Duty où quand tu tuais des mecs, t'avais le corps qui flottait dans l'eau, du coup, si je me gourre pas. Je trouvais ça sympathique à l'époque. Enfin, dans les vieux Call of Duty, je sais pas s'ils le font maintenant. Encore. Du coup, des corps qui flottent dans l'eau. Quand je dis les vieux, c'était basé sur la Seconde Guerre. Donc à l'époque de la PS2. Qu'est-ce que tu fous là? Rapprochez-vous. Attention aux ornières. Je vois bien, mais... Hop, la redure en moins. Normalement, il y en avait un là. Je sais pas. Ah voilà. Il faut toujours qu'il y en a un qui fout la merde quand tu veux essayer de te faire un petit truc tranquille. Les bus sont à nous. Le connard consanguin. Bon, j'avoue, je sais pas s'ils sont consanguins. Si ça se trouve, c'est vrai. Bien sûr.
Ça règle bien les problèmes. Hop. Voilà, ça c'est fait. On est déjà quasiment à la fin de la zone de la mission. Pauvre monsieur. C'est gentil d'avoir participé. C'était très sympathique. Pas trop. Oui, j'ai activé des mines. On fait le ménage en profondeur, messieurs. On fait ça à sec, s'il vous plaît. On ne mélange pas les couleurs. C'est bon, vous êtes tous mourus. Apparemment, oui. Ici. J'ai pris les mines. Question de sécurité. J'adore les feux d'artifice. Bref. Donc le ménage est fait. On va faire le tour des lieux pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Donc déjà le chantage que j'ai laissé là-haut. Du coup. C'est bien, c'était rapide, on est déjà à la fin. Seulement ça va être le cas pour le dernier, ça serait bien. Ça serait tellement bien. Mais non, le dernier va être plus long. Il va être chiant. Le chantage est là, hop, 2 sur 2. Là, de quel côté il va venir le monsieur? Du côté d'où on vient. Ok. Donc du coup le mec, en fait à chaque fois qu'on détruit le chantage, il y a un mec qui vient par là d'où on est venu, en fait. Donc voilà, c'est aussi con que ça. En bas normalement il n'y a rien, il faut juste retourner par là où on est venu à l'origine. Donc c'est plus loin d'où on vient. Parce qu'il faut que je récupère du coup je sais plus quoi, de la reconnaissance. Des lieux donc, par là. Donc on venait de là, du coup on a buté les mecs en scred. Du coup on continue par là. Normalement, il y en a un ou deux
Donc il y en a deux qui vont venir de un de chaque côté. C'est toujours le même truc, hein. Hop, et il y a un mec qui apparaît au-dessus. Ah non, ils sont deux. On a un problème réglé. Du coup, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce qui nous intéresse, qui est là. Les plans, les photos du goulag, donc de la dernière mission. Du coup, et après, du coup, je regarde juste. Oui, donc c'est bon. Donc il nous reste juste à récupérer le dernier renseignement. Et après c'est la fin. Finito. Bref, du coup. On retourne à la bout de la zone. J'aurais dû. Bah ouais, ça fait des allers-retours, mais bon, que voulez-vous. Mais vous débarrassez des mecs. Avant, du coup, comme ça c'est fait, et on est tranquille, et ils viennent pas nous casser les couilles. Hein, j'ai dit couilles. Ah bah si c'est pour éviter qu'il y ait trop de blanc, ouais, je dis tout et n'importe quoi. Parce que trop de blanc dans une vidéo, c'est... Comment dire? C'est chiant. Après, voilà, ouais, faut rester concentré, mais surtout dans les phases où ça devient un peu chaud, chaud, chaud. Mais bon, 7e vague à Hambourg. Et hey, le dernier se trouve à la fin de la zone, là où il y a la grande porte. Faire le ménage. On se baisse. On sort la roquette. On fait les tirs rapides. Je l'ai tué déjà. On est tous mourus. Apparemment, oui. Du coup, on va reprendre ça. Les amoureux, toi? Oula. J'aurais vraiment tous fait leur fête. Donc il n'y a pas à s'inquiéter.
Ok, ok, ok. C'est-à-dire que j'ai fait du bon boulot. Comme d'habitude. Donc vous avez vu le dernier ici. Hop, on retrouve les photographies aériennes de la base aéronavale de Miramar. Donc voilà. Donc tout est accompli, 16 sur 16. I am the winner, the big boss et toute la connerie qui va avec. Du coup, on va terminer cette putain de mission pour la troisième fois. Cette fois-ci en ayant vraiment tout accompli. Allez. J'y vais. Ah. Ah, un seul oubli cette fois-ci. Et là, c'est cool. C'est génial. Voilà. C'était rapide, c'était simple. De Spectrinive. Du coup, donc la mission finale. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser ici en espérant que cette vidéo vous aura plu. Certes, c'était rapide, c'était court, j'ai été efficace. Je suis le best of the world de Black, du coup, voilà. Enfin, je dis ça, mais il y aura des gens qui feront comme moi. Du coup, c'est pour ça, il faut inspirer. Enfin, n'importe quoi. Faut arrêter les conneries, là. C'est bon, c'est la fin de la vidéo. Faut que... J'arrête. Trois tentatives loupées, donc la quatrième, c'est parfait, c'est bon. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà. On se retrouve très rapidement pour la dernière. La fin. Enfin! Du coup, en espérant que ça vous aura plu. Voilà. Allez, voilà. Et je vous dis simplement à la prochaine. Salut!